en Côte d'Ivoire et que j'avais eu après une rencontre avec le groupe Labad, j'ai entamé mes consultations avec la partie gouvernementale. Hier, c'était une charge de travail que j'avais eu avec le ministre de l'Environnement ici présent et le ministre délégué auprès de la ministre des Affaires étrangères. Ce matin, le ministre de la Finance, à qui j'adresse à l'occasion des remerciements, nous avons reçu et que nous avons eu l'occasion d'échanger sur l'agenda de la Commission, notamment sur les questions en fait, des instruments juridiques et aussi les contributions des pays membres. Et nous ressortons très satisfaits en fait, des échanges que nous avons eu avec le ministre des Finances. L'engagement que la Côte d'Ivoire a toujours exprimé dans le cadre de l'opération avec cette commission reste à soutenir. Et nous tenons à l'occasion de remercier très chaleureusement et présenter notre gratitude au nom de l'ensemble des pays membres de la commission, des plus hautes autorités de la Côte d'Ivoire, pour leur accompagnement soutenu dans le cadre de ce processus.